Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit marsupilami en élastique, un modèle de moi que je vais vous montrer comment réaliser. Donc pour cela il faudra environ 70 élastiques jaunes, 50 élastiques couleur peau, environ une dizaine d'élastiques noirs, ainsi que si possible une perle noire pour le museau du marsu, sinon ne vous en faites pas, avec des élastiques noirs ça ira aussi. Il faudra aussi votre crochet et votre média tissé. Donc on commence en faisant les petites oreilles de notre marsu qu'on ira donc rajouter à la fin sur notre tête. Donc on prend pour cela le métier à tisser avec les picots décalés et on va commencer avec tout le temps deux élastiques jaunes. Donc je mets deux élastiques jaunes pour commencer sur les deux premiers picots du centre et j'en mets encore deux à la suite. Je fais cela encore une troisième fois et je m'arrête là. Ensuite, je vais donc partir vers la gauche, donc je place mes deux élastiques tout le temps pour aller du centre vers le premier picot de droite, pardon, et ensuite je continue, mais en allant sur la droite. Donc là, vous voyez, je vais rejoindre la droite au centre, mais en faisant une diagonale étirée, ça veut dire que je vais étirer un peu plus mes élastiques. Enfin, je vais prendre un élastique que je vais tourner trois fois autour de mon crochet et que j'ai posé sur le dernier picot de mon métier tissé de façon à former un élastique capuchon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va donc tout simplement tisser. Donc pour cela, on prend notre crochet, on rentre dans l'élastique capuchon, on vient chercher uniquement les deux élastiques qui nous intéressent et on les ramène au picot d'en face. Ensuite, on prend les deux premiers élastiques qui correspondent donc aux deux élastiques qui vont vers la droite. De ce fait, on tisse toute la droite. Et ensuite, on repart vers le centre et on tisse le centre. Et voilà. Enfin, pour terminer, je vais prendre un seul élastique ce coup-ci. Je vais passer mon crochet à travers tous les élastiques du picot. Venir passer mon élastique à travers tous les élastiques. Je fais un nœud coulant comme ceci et mon travail est sécurisé. Je peux enlever mon travail. Je vais donc comme ça obtenir une première oreille et donc je vais refaire exactement la même oreille. Donc je vais pas vous montrer comment la faire vu que c'est exactement la même opération, sauf que au lieu d'aller vers la droite, nous irons vers la gauche. Je vous montre ceci tout de suite. Voilà, donc là on fait exactement la même opération mais vers la gauche. Et une fois tissé, nous allons, comme tout à l'heure, prendre notre crochet, faire passer notre élastique à travers tout le picot, et on fait un nœud coulant. Donc, ces nœuds coulants, enfin ces élastiques, on les cachera à la fin, quand on aura mis nos oreilles. Et voilà, on a maintenant nos oreilles, on va maintenant pouvoir passer à la tête. Donc pour la tête, je vais reprendre mon métier à tisser avec tout le temps les picots décalés et je commence par mettre deux élastiques jaunes sur les deux premiers picots du centre. J'en mets deux pour aller vers le haut ou vers la droite comme vous voulez et deux pour aller vers le bas ou vers la gauche. Ensuite, je vais donc continuer avec deux élastiques jaunes que je vais mettre sur la gauche, deux élastiques jaunes sur la droite et deux élastiques jaunes encore au centre. Maintenant je vais changer de couleur, je vais prendre des noirs pour pouvoir faire les petites taches de mon petit marsu. Donc je mets deux élastiques noirs à gauche et deux élastiques noirs à droite. Je n'en mets pas devant puisque devant il y aura le museau de mon marsu. Devant je vais prendre des élastiques couleur peau pour faire le bas du visage de mon marsu. Donc je mets deux élastiques couleur peau au centre et ensuite je mets deux élastiques couleur peau pour aller du centre vers la gauche et du centre vers la droite. Comme ceci. Ensuite, je vais donc mettre un élastique que je vais, comme vous voyez, tourner, donc twister comme on dit, deux ou trois fois, de façon à faire des 8 avec. Et je vais faire pareil au-dessus, mais avec un élastique jaune. Et pareil, je vais le tourner, tout simplement parce que à cet emplacement-là, on va mettre les yeux et le museau de notre marsu, et de cette façon, notre œil et nos yeux seront bien maintenus. Donc ensuite, on prend deux élastiques noirs, qu'on tourne 4 fois autour de notre crochet, comme ceci. Et ensuite, on prend un élastique jaune, et on va faire passer ces deux yeux
sur l'élastique jaune, puisqu'en effet, ce seront les yeux de notre marsupial que nous allons mettre. Et ces yeux, on va donc les mettre à l'endroit où nous avons tout à l'heure fait un 8, enfin plusieurs 8 avec notre élastique jaune, ici. Comme ceci. Ensuite, on va tout simplement essayer de séparer nos deux yeux, de façon à les mettre bien à côté. Et ensuite, on va venir transpercer l'élastique jaune sur lesquels il y a nos yeux, de façon à prendre une seule partie. Donc là, cette étape n'est pas obligatoire, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ça fera pas forcément beaucoup de différence. Mais ce serait quand même bien que vous y arriviez. Donc là, vous voyez, j'ai un peu de mal, mais voilà, il suffit de transpercer, comme vous voyez, une partie de l'élastique jaune, et on le met sur le picot de dessus, comme ceci. Ensuite, je vais donc m'occuper du museau. Donc si vous n'avez pas de perles noires pour faire le museau, prenez deux élastiques noirs que vous tournerez 4 fois de votre crochet, ça reviendra au même. Mais donc, moi, je vais tout simplement faire plus facile en prenant ma perle, quoi, et en le faisant passer à travers un élastique couleur peau. Donc, si vous n'avez pas de perles, vous prendrez 4 élastiques, 2 élastiques noirs et vous les passerez sur votre élastique couleur peau. Donc, enfin, je prends un dernier élastique couleur peau et je le tourne 3 fois autour de mon crochet pour faire un élastique capuchon. Donc ensuite, je vais donc réaliser 2 petites extensions pour donner des belles joues bien rondes à mon petit marsu. Donc pour cela, je vais prendre 2 élastiques jaunes que je vais mettre une fois, 2 fois. Et ensuite, je prends 2 élastiques couleur peau que je mets une fois, 2 fois. Comme ceci. Ensuite, je vais donc repartir de mon premier picot avec toujours 2 élastiques jaunes. Je vais ensuite reprendre encore 2 élastiques jaunes que je vais mettre à la suite. Et enfin, je vais regagner le centre avec 2 élastiques couleur peau. Ça correspondra à une première partie de ma joue pour que mon marsu ait des belles joues bien rondes. Donc ensuite, je prends, comme tout à l'heure, un élastique couleur peau que je tourne 3 fois autour de mon crochet et que je mets sur le dernier picot pour faire un élastique capuchon. Voilà. Donc enfin, je vais prendre un élastique jaune que je vais mettre, comme vous voyez, le long de mes 3 picots de façon à ce qu'il dépasse, car ces élastiques là vont me permettre par la suite de fixer mon extension sur mon visage. Donc ensuite, j'entre dans mon élastique capuchon, je vais prendre les 2 premiers élastiques qui sont normalement les élastiques qui partent vers la gauche, mais comme vous voyez, j'ai un petit peu de mal, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Là, je vais donc amener mes 2 élastiques vers la gauche et je vais donc, dans un premier temps, tisser toute ma gauche en faisant attention à chaque fois d'écarter les élastiques qui ne m'intéressent pas pour ne prendre que les 2 élastiques à chaque fois que je veux tisser. Ensuite, je repars vers le centre et c'est pareil. Je tisse à chaque fois les 2 élastiques que je veux tisser tout le temps en allant tout simplement vers le picot d'en face. Comme ceci. Donc une fois qu'on a fini, on va donc simplement venir passer notre crochet dans tous les élastiques du dernier picot et on enlève tout. Voilà, on enlève les élastiques de serrage et voilà, on a une première joue. Donc ma joue, je vais la mettre vers la droite, je vais vous montrer comment la mettre. Donc on va tout simplement mettre tous les élastiques qu'il y a sur notre crochet sur le premier picot de droite, comme ceci. Donc prenez votre temps, allez-y doucement parce que c'est pas forcément facile de mettre tous les élastiques bien, mais on y arrive tout le temps. Une fois que c'est fait, que j'ai mis tous mes élastiques sur le dernier picot, je vais venir transpercer avec mon crochet l'élastique peau que j'avais tout à l'heure tourné 3 fois autour de mon crochet et je vais l'étirer pour le mettre sur le dernier picot de ma rangée de droite. Voilà, donc là ma joue est prête, j'ai plus qu'à mettre les 2 élastiques qui dépassent et qui sont en fait les 2 élastiques qu'on avait mis tout à l'heure en travers. Donc là il n'y a pas vraiment de méthode pour les mettre, vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Donc moi je vais laisser les mettre sur le plus de picots possible de façon à ce qu'ils tiennent le plus possible et en même temps à ce qu'ils puissent fixer tout simplement notre marsupilami. Donc là je vais les mettre à 2 ou 3 picots. Voilà. Quand j'ai pris mon élastique, je le mets sur les picots
un peu n'importe où, mais du moment qu'ils sont fixés, la joue tiendra, et c'est ce qui est important. Donc voilà. Donc maintenant vous allez, comme tout à l'heure pour l'oreille, réaliser exactement la même joue, mais dans l'autre côté, c'est-à-dire vers la droite, puisque tout à l'heure j'avais fait la joue vers la gauche. Vous la tissez, comme tout à l'heure, et vous enlevez le tout. Et encore une fois, vous la replacez comme tout à l'heure, comme je viens de vous montrer. Donc une fois que vous avez replacé votre deuxième joue, on va maintenant pouvoir continuer notre travail. Donc simplement, je vais prendre un élastique couleur peau et avec lequel je vais faire un triangle pour bien fixer mon archipilami. Et ensuite, je vais pouvoir fixer mes oreilles. Donc pour mes oreilles, je vais venir piquer. Donc là, vous voyez, il y a l'élastique de tout à l'heure. Je vais venir piquer avec mon crochet dans l'élastique capuchon qui correspond en fait à l'élastique jaune que nous avions tout à l'heure tourné 4 fois autour de notre crochet. Je vais donc venir piquer à cet endroit-là et je vais étirer pour le mettre sur le dernier picot de gauche. Et voilà. Donc l'élastique qui dépasse au bout, on le cachera après. On fait pareil avec l'autre oreille, on pique dans l'élastique capuchon qui est facilement repérable et on le passe. Comme ceci. Donc enfin, je vais vous montrer, cette étape est facultative, mais si vous voulez faire la petite queue comme ceci, qui dépasse du marsupilami, parce que moi j'avais fait ça parce que je trouvais ça un petit peu sympa à faire, et bien je vais vous montrer comment faire. Vous allez donc prendre un élastique noir que vous allez tourner 4 fois autour de votre crochet, puis 2 élastiques noirs, et vous allez faire passer le tout dans ces 2 élastiques noirs. Ensuite, je vais prendre des élastiques jaunes cette fois-ci pour changer, puisque le marsupilami a des taches noires et des taches jaunes. Donc je vais alterner un petit peu de façon aléatoire le jaune et le noir, et je vais répéter cette étape, c'est-à-dire à chaque fois prendre 2 élastiques et faire passer le tout dans ces 2 élastiques plein de fois jusqu'à temps que j'obtienne une bonne longueur. Donc cette étape est facultative, si vous ne voulez pas la faire, ne la faites pas, mais je trouvais que ça faisait joli de faire une petite queue au marsupilami pour pouvoir par exemple l'accrocher ou quelque chose comme ça. Donc là vous voyez, je répète l'opération encore maintes et maintes fois, et une fois que vous aurez répété cette étape au moins une bonne vingtaine de fois, vous aurez donc la longueur que vous voulez. Donc une fois que vous avez la longueur que vous voulez, je vais donc tout simplement venir prendre mon crochet et enlever tous les élastiques du premier picot du métier à tisser. Donc faites bien attention que les élastiques ne s'enlèvent pas de votre crochet. Normalement, si vous faites bien attention, ça ne devrait pas s'enlever. Et ensuite, je vais donc prendre ma queue que je vais mettre sur le dernier picot. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remettre tous les élastiques sur le dernier picot en faisant ça délicatement pour pas qu'il y ait des élastiques qui s'enlèvent. Et la queue de notre marsu sera fixée. Voilà, on a fini, on peut maintenant tisser. Donc on rentre dans l'élastique capuchon couleur peau et on prend les 2 premiers élastiques pour les ramener vers la gauche. Donc c'est pas, ne vous en faites pas s'il y a beaucoup d'élastiques, c'est pas pour autant que vous n'y arriverez pas. Il faut juste faire attention de ne pas s'emmêler dans les élastiques pour ne pas tisser les mauvais. Donc là je reprends les 2 élastiques et cette fois-ci je les amène à droite. Ensuite je prends les 2 derniers élastiques qui vont donc tout logiquement au milieu. Ensuite je vais donc la faire bien attention parce que j'ai beaucoup d'élastiques, je vais prendre uniquement les 2 élastiques noirs. Donc faites bien attention quand même pour pas qu'ils cassent, d'y aller délicatement. Et là c'est pareil, je vais juste prendre les 2 élastiques jaunes qui sont tout en bas. Et c'est pareil, je prends les 2 élastiques jaunes qui sont tout en bas du métier à tisser et je vais les ramener vers le centre. Là vous voyez, j'ai un petit peu mal parce que mes élastiques bloquent. Dans ce cas là, allez-y délicatement et ça devrait aller. Donc je répète la même opération à droite, je prends mes 2 élastiques noirs, je passe dans tous les élastiques couleur peau pour prendre les 2 élastiques noirs qui m'intéressent. Je les ramène en face. Je prends les 2 élastiques jaunes, je les ramène en face. Et je prends les 2 autres élastiques jaunes et je les ramène à gauche. Du coup, plutôt au centre. Voilà. Enfin, je vais tisser le centre de mon marsupilami. Donc je vais revenir sur le picot ici et prendre à chaque fois les 2 élastiques jaunes.
Et voilà. On n'a plus qu'une dernière chose à faire. Comme pour notre oreille tout à l'heure, on va prendre notre crochet, le passer dans tous les élastiques du dernier picot de notre métier à tisser. Et on prend un élastique jaune. Ou si vos élastiques ne sont pas de très bonne qualité et que vous avez peur qu'ils cassent, dans ce cas-là, prenez-en deux. Mais moi, j'en ai pris qu'un parce que... Enfin voilà, j'avais pas peur. Et ensuite, vous faites donc un nœud coulant en prenant l'extrémité la plus loin du crochet, en l'enlevant et en tirant. Ça vous fera un nœud. Et enfin, vous pouvez tout enlever. Donc pour enlever votre travail, je vous conseille de faire comme moi, de l'enlever avec votre crochet picot par picot, car vu qu'il y a énormément d'élastiques, si vous tirez dessus, ils vont peut-être casser. Donc voilà, on enlève délicatement notre marsu et on va pouvoir lui redonner sa forme. Voilà, donc là on va un petit peu remettre bien notre marsu, on va bien remettre ses yeux, bien remettre son museau, ses oreilles. Voilà, donc là on va s'occuper de, justement de ses oreilles, puisque il y a les deux élastiques tout en haut qui pendouillent et qui ne font pas joli. Donc tout simplement je vais venir prendre mon crochet, piquer quelques deux ou trois élastiques de l'oreille et venir chercher l'élastique que je veux cacher. De cette façon l'élastique sera camouflé. Donc là je prends deux ou trois élastiques dans mon oreille, je viens chercher l'élastique que je veux cacher et je le passe à travers tous les élastiques que j'ai piqué pour que mon élastique soit coincé et qu'on ne le voit plus. Voilà. Et là comme vous voyez, on ne voit plus ces élastiques. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Donc là vous voyez, j'avais réalisé un petit modèle juste à gauche que je vais venir prendre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour mes prochains tutos. Allez, à plus. Loin, loin, c'était certain, comme une immense femme.